Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre série sur Heart of Iron 4 avec la France. L'Italie était tombée dans l'épisode précédent. Nous essayons de prendre Agbani, ce qui était une erreur stratégique totale, ce que je suis en train de perdre énormément de troupes. Mais bon, on va essayer de venir et secourir. Nos troupes alpines avaient un petit peu de mal pour tenir contre la ligne allemande au niveau du sud. Ils étaient fait un peu percer, nous les avions un peu modifiés. Et là, nous lancions notre offensive générale au long de la ligne Maginot pour la traverser et créer une poche en Allemagne. Le but, c'est de réussir à diminuer la pression qu'il y a ici en y mettant le plus de troupes possible sur cet assaut. Donc, le but là est de tenir. Nos troupes ont besoin de se ravitailler. Si j'arrive à passer là, j'aurai déjà réussi à faire un bon coup sur l'ennemi. Normalement. Donc, ce qui va se passer en Albanie, c'est que j'ai demandé de débarquer en fait. J'ai pas pris le port, ils ont débarqué à côté. Vu que j'envoyais très peu de troupes, ils pouvaient pas prendre le port derrière. Donc, ça a été une erreur stratégique de ma part. Deux divisions. Non, 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 vous arrêtez de traverser en plein milieu des forces ennemies, ça. Ça perce à certains endroits, ça perce pas partout. J'aurais remis mes 18 divisions blindées qu'il y avait en réserve, j'aurais offert pour traverser une Maginot. Autant mettre le plus de tanks possible. Le problème, c'est que là, ils sont en train de vraiment de. Ils sont vraiment en train de percer là, ça commence vraiment à être. Une armée de garnison va plus servir de garnison parce que j'ai besoin d'urgence de... Je suis au courant. J'ai besoin d'urgence de troupes ici. Parce que sinon j'ai jamais réussi à tenir. D'accord, il veut passer par derrière pour réussir à tenir. Ok. Normalement, j'aurais réussi à percer en fait. Une fois que vous avez passé fortification, vous avez passé le plus dur. Après, il n'y a rien encore à traverser derrière. Donc, ici, j'aimerais bien que mes divisions se préparent plus vite. Au niveau politique, bon, j'ai toujours des problèmes. Pour en avoir beaucoup, mais bon, c'est le jeu aussi ça. Et mon armée après de. Je pense que mon armée est là de. D'Italie, comme je l'ai appelé, je crois qu'elle va retourner en Afrique parce que là, faut que les troupes britanniques se dégagent de l'Afrique et arrivent en Europe. Là. J'espère que c'est RN9, mais oui. Mais arrêtez d'aller sur la ligne de front là, d'attaquer l'ennemi pour rien. Donc là on va demander un ordre de repli parce que mes troupes sont en train de faire n'importe quoi sur cette ligne de front. Vous voyez en fait mes troupes en fait en se repositionnant elles attaquent directement l'ennemi au lieu de se repositionner directement. Donc on va abandonner tout ce qu'il y a derrière et on va se repositionner ici. Non il faut. De troupes là, venez secourir là, s'il vous plaît, arrêtez de les laisser passer. Alors là, je vais vraiment abandonner là, une partie de l'Italie. C'est pas grave, parce que j'avance au niveau de la ligne Maginot. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs fronts. Si vous avez un seul front et que vous faites percer, vous avez perdu. Si vous avez plusieurs fronts, vous pouvez vous en faire percer un et gagner ailleurs. Donc là, je rabandonne volontairement toute la région là pour pouvoir me repositionner vraiment sur une ligne défensive plus sûre. Voilà, donc, mince, je suis en pause. Je suis en pause, c'est sûr que ça n'avait pas avancé.
Et voilà. L'avantage là, c'est que mes troupes sont replacées en ligne défensive, donc je suis sûr qu'elle va tenir, je pense. Ils auront le temps de se réorganiser un peu. Il y a 6 divisions alpines, donc on va facilement pouvoir prendre là. Donc là, maintenant, supprimer, quand une fois que vous avez votre ligne de front, comme vous la voulez, a été obtenue, vous la supprimez, vous remettez une ligne de front, parce que si jamais elle se fait percer, en fait, la ligne est coupée. Malheureusement. Donc là, tant qu'on arrive à avancer au niveau de la ligne Maginot, c'est bon. Voilà, là maintenant on rend sa sauce, là on voit que leurs troupes sont délocalisées pour revenir renforcer là-haut. Mais surprise, c'était une diversion en fait. C'était une diversion totale pour pouvoir lancer un assaut général sur la ligne de front. Voilà. Donc je perds beaucoup de troupes, ça je suis au courant. Mais parfois, il est nécessaire de sacrifier quelques hommes pour pouvoir gagner une guerre. Voilà. Non, ces troupes-là vont venir renforcer ce front-là. Et celles-ci vont venir aussi renforcer ce front-là. La classe Joffre est terminée, donc maintenant on va faire plein de recherches de 40. Enfin, tout ce qu'on peut faire en 40. Ici il n'y aura rien, ici il n'y aura rien. L'artillerie, une requête pourrait être intéressante. Doctrine terrestre, on pourra bientôt en faire recherche parce qu'on aura bientôt mis fin à toute ma liste. Donc là on va chercher les D520. Voilà. Une de front va être relocaliser. Là je lance un assaut majeur. Je veux vraiment récupérer l'Italie complète pour ne plus avoir de soucis à ce niveau là en fait. On a encore du temps là. Donc ici on va chercher derrière les bombardiers. J'aurais dû faire des avions de support rapprochés, ça aurait été efficace. Tant pis. On va faire les nouveaux bombardiers tactiques. Les bombardiers tactiques, en gros, c'est des bombardiers qui peuvent en même temps bombarder d'installations et soutenir vos troupes au sol. Les meilleurs avions pour soutenir les troupes au sol, c'est les avions de soutien aérien. Ou voilà, une poche. Voilà, une poche. Deux escouades qui vont disparaître à cause de cette poche. Donc là, mes troupes vont directement aller ici. Même vous avez arrêté, vous allez aller ici. Bon, ça va. L'ennemi aurait pu m'attaquer et détruire ces deux divisions là, mais il a pas fait, donc j'en profite. Hein. Alors, globalement, je suis content de mon offensive. Ça a été globalement un bon succès au niveau de la ligne Maginot. L'Albanie a été libérée, donc c'est aussi un autre très bon point pour nous, ça. Ouais, bon, pardon, de plus en plus. Ouais, ça ne me surprend pas de leur part. Bon, là, on va rajouter des chasseurs. Mais comme le reste a déjà été utilisé un peu partout, donc je ne peux plus me permettre d'avoir de chasseurs ici, très bien. Donc on va déployer des bombardiers tactiques qui vont venir soutenir mon offensive, parce que sinon ça avancera jamais. Bon, tant que les troupes alliées arrivent à tenir en haut, c'est bon. Mes troupes vont se réorganiser sur la ligne de défense. Et ces troupes-là vont... Alors, j'ai deux choix. Soit je les garde en garnison, soit je les envoie renforcer.
au niveau de la frontière nord. À ce niveau-là, je les avais renforcés. Voilà, j'ai perdu aucune division dans cette opération, donc moi ça m'arrange. Ici, ils vont venir renforcer là. Donc, ils vont venir être affectés à ce front-là maintenant. Donc là, je vais annuler maintenant tous mes offensives sur le front pour éviter de désorganiser davantage mes troupes. Cette armée-là va maintenant être localisée en Afrique parce que vu ce que fait notre allié, on n'a pas le choix. Voilà. Et si vous annulez vos ordres, vous n'arriverez pas à passer. Trieste est une erreur stratégique, donc je vais pas forcer davantage. J'ai localisé. Alors, ce qui est encore une division qui a encore disparu de ma ligne française, j'ai dû en perdre une, ça veut dire. Voilà. Donc ça, ça sera mon plan d'offensive. Attendez, attendez. Là, on va refaire un truc. Là, on va annuler Storn, on va refaire la ligne de front. Jusqu'ici, donc toi, vous trois, vous avez. Ah, maintenant. Avec cette petite percée-là, l'avantage, c'est que. Les forces allemandes ne sont pas si dangereuses que ça. Là. Vous avez raison, j'ai oublié de faire quelque chose depuis un moment. C'est une grosse erreur de ma part. J'ai oublié de modifier ma production de porte-avions. Ça, vous êtes au courant depuis un moment. La division badée, je vais arrêter d'en faire. Parce que j'ai plus beaucoup. J'essaie de garder quand même un certain nom. On va passer ça dans la nouvelle classe de sous-marin, le Joffre. En créant une variante. Non. Oui, je m'en fiche, je perds des jours. Ici, voilà, comme ça, on va faire, hop. Et convoi, je vais continuer à en faire, parce que j'en aurais besoin. Non, mais à ce que je sache, ce front-là, j'ai pas demandé qu'il aille aussi loin, parce que justement, je sais qu'ici, il tiendra pas le front. Empire. Mes troupes ne veulent pas m'écouter, hein. Non, non, vous restez là. Toujours aussi chiant ces troupes là qui n'arrivent pas à se balader d'eux-mêmes. Faut me méfier de la Turquie aussi qui va me déclarer un moment à guerre et va rejoindre l'axe. Hein. Voilà. Ouais, c'est peut-être ultra téméraire ce que je fais là-haut, hein. Je vais pas vous mentir. Ouais. Bon. Le point est-il risqué, ils disent quoi? Plan solide, ok, on lance l'assaut alors. Je fais confiance à mon maréchal. Vous vous repliez.
Voilà. Bon, j'espère que toute cette division suffira pour reprendre. Je pense que ça devrait suffire pour récupérer le. Voilà. Donc là, j'ai vraiment micro-géré personnellement les troupes pour faire une percée moi-même. Hein. Donc, si j'arrive encore à percer ici, ça serait bien. Ça me ferait un fort en moins à affronter. Mais bien évidemment, on connaît, c'est jamais si simple que ça. Hein. Si on crée une poche ici, ils auront toutes ces troupes-là qui seront isolées. Voilà. Bon, autant vous dire que la guerre contre l'Allemagne, c'est pas la guerre la plus simple avec la France. Hein. La guerre contre l'Italie, on va dire que c'était l'échauffement. Là, j'annule l'assaut. Hein. Là, ça commence à tourner au fiasco. Tourner au fiasco, donc on va pas forcer. Hein. Ce qui me dérange, ouais, bon, ils vont bientôt attaquer les pays nordiques. Je suis au courant de ce qu'ils font, parce que j'ai un décryptage avancé en fait. C'est tout avantage du décryptage. Là j'ai encore eu du. Là j'ai eu du bug à une de France par QI davantage. Hein. Ici il va essayer. Je vais essayer de lancer une petite offensive. Je vais tenter de lancer une toute petite offensive là. Je sais que c'est risqué, mais ça me permettrait de. Donc là, je suis vraiment en train de localiser beaucoup de troupes. Donc, bon, là, c'était un fiasco, assaut. Ok. J'ai lancé déjà une partie de mes divisions à l'assaut. C'est facile de vague bien. Que si je le fais pas, ça risque pas d'y aller. C'est le problème en fait des troupes alliées, c'est que généralement ils vont se concentrer sur des fronts peut-être pas forcément prioritaires. Et là ils vont réussir à percer sur toute ma ligne de front. Là par contre ça reste un gros problème s'ils arrivent à percer ma ligne Maginot. Là c'est pour soulager un peu mes troupes au niveau de la ligne Maginot, c'est pour espérer qu'ils vont délocaliser d'autres troupes là-haut. J'ai lancé l'assaut avec ma garnison, même si je sais que c'est totalement risqué. Pas me permettre d'attendre sans agir. Non, vous repliez-vous, tout de suite. Non, vite, faut des troupes là, sinon je vais perdre mon escouade. Arrêtez, assaut. Voilà. Tout ça, parce que je suis obligé de m'occuper de l'Afrique, parce que j'aurais besoin de ces troupes là, moi, au nord, quoi. Non, tes divisions ne servent à rien. Ah, je me suis fait percer. L'offensive de l'Imaginov va être totalement annulée, on va plus en prévoir. Voilà. Je vais être méchant, mais je vais délocaliser ma ligne de front. On abandonne la Belgique.
vraiment plus rien à faire d'eux. Donc j'ai toutes mes troupes surpris ici sur cette ligne. Les autres n'ont aucune importance. Je vais pas sacrifier davantage d'hommes juste pour faire. Putain, c'est pas ce que j'ai demandé. Ils ont lancé... Voilà. Génial. 6 divisions encerclées. Je vais perdre 6 divisions dans cette histoire parce qu'ils sont mal repliés, mes troupes. Ma seule solution, c'est de resserrer et sauver. Sinon... Je suis dans une situation très... totalement désastreuse. Enfin, tout pour que j'arrive à sauver ces divisions, sinon je vais perdre beaucoup trop. Qu'est-ce que... Pourquoi j'ai des troupes qui se délocalisent comme ça? Ne dites pas qu'ils vont prendre un port juste pour revenir sur ma ligne de front alors qu'ils sont à quelques mètres. Je suis tellement au courant que cette attaque est stupide, mais bon. J'ai pas le choix, quoi. AMX, voilà. Bon bah on a perdu 6 divisions, génial. Tout ça à cause des Italiens en Afrique et parce que la Grande-Bretagne n'est pas capable de les gérer. Que d'habitude, en fait, l'armée là, normalement, j'ai relocalisé ici sur le petit front là, ils arrivent à faire le travail, quoi. Foutez de moi. Vous allez me faire une percée là, quoi. Excavation au niveau suivant. Ah, cette guerre est quand même pas facile, quoi. Mais bon, c'est normal, hein. Faut quand même qu'il y ait un peu de challenge. Deux trains de bataille, ça devrait être bon, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire ça. Faire ces recherches qui nous seront très utiles. Je sais que j'ai abandonné énormément de provinces alliées, mais bon, Man de Gouest, par exemple, mon rating, région alpine aussi. Donc on est attisé par une contention de la classe ouvrière et tendance handicap. P pour conduire. Bon ben. On viendra peut-être une France communard parce que j'ai pas interdit le communisme, mais tant pis. Ça a aucune importance quoi ça. Cette division là, si je les perds, ça risque vraiment de me faire mal. Quoi, mon arme. Ah, ouh, pas mal déjà. Ok, ça va. Un petit level, hein, mais. L'Italie, en gros, toutes ces divisions italiennes sont retournées en Afrique. Ah, j'ai toujours une partie de ce que j'aurais volé, mais bon, c'est vraiment insignifiant qu'on se le dise. Amsterdam est tombé. Bon, on va modifier toutes nos divisions, il faut que toutes nos divisions soient équipées comme il faut. Le génie a meilleur assaut quand on lance sur les forces ennemies.
qu'un entier, on s'en fiche. A savoir que le soutien n'affecte aucunement la vitesse des divisions. Donc ne... Anti-aérien, on s'en fiche de l'anti-aérien, à chaque fois je fais erreur. Reconnaissance, hôpital de combat. Voilà. Ça fera pas de matériel de logistique en plus sur le front. Mais l'avantage d'Enix... Non, non, ils se refont percer, putain. Ah ouais, c'est normal, je sais pourquoi ils sont percés. Je veux que toute mon armée soit localisée là. À part vous 6 qui êtes obligés de rester là, hein, mais... Parce qu'en fait, toutes mes divisions, j'ai pas remarqué, mais étaient en fait localisées ici, donc ils se regroupaient pas automatiquement sur la bonne ligne. Faut en raser ça. Bon, après, si la Chine arrive à vaincre le Japon, c'est excellent. Ça nous fait déjà un front moins géré. C'est la première partie que moi qu'ils arriveront à faire ça, mais faut bien un début à tout, hein. Non, Dami. Ouais, Dami. Du seigneur de Trad. Je vais faire une offensive généralisée comme ça. Voilà. On va lancer l'assaut assez tôt. Pas facile cette guerre, pas facile. On perd beaucoup d'hommes. Ici, je suis obligé de lancer des assauts assez volumineux pour reprendre l'Italie qui reprend totalement. L'Italie a repris totalement l'Angleterre parfois. Voilà. Là, mon objectif, c'est de libérer cette poche-là de troupes. Je peux plus lancer d'assaut, ils sont trop fatigués. Mes troupes sont trop fatiguées pour... Enfin, plus assez ravitaillées, donc ça... Donc là, ça sera une grande percée. Bon, vous avez vu, j'ai fait un petit repli. J'ai abandonné beaucoup de provinces. Bon, ils ont beaucoup envahi là-haut. Mais j'ai réussi à tenir suffisamment pour envoyer plein de renforts. Donc là, donc cette armée-là, je sais que c'est un... je sais que je vais perdre l'assaut normalement. Mais le but, c'est de réussir à localiser leurs troupes là. Non, je vais arrêter de lancer, je vais laisser mes troupes gérer. La reconnaissance me donne l'initiative, donc me donne des bonus d'attaque. Donc je vais vraiment en profiter de ça. Ici, on va avancer ici en même temps, parce que l'avantage, si on prend ce territoire, on sera derrière le Rhin, ça nous donnera une bonne défense sur les assauts ennemis. Sauf s'ils ont génie, parce que le génie permet de neutraliser ce problème-là. L'assaut, je sais qu'elle est totalement téméraire et que je vais perdre plein d'hommes, mais on va amener maintenant. Voilà. Les troupes ont réussi à percer un peu partout sur le Rhin. Ça va être dur de prendre la suite, mais bon, ça... Ah, c'est un plutôt bien. Vétérans. Les porteurs sont déjà des vétérans. Bon, au moins en Afrique, ça se passerait bien. Je crois qu'il est devenu en plus... Voilà, Renard du désert, mouvement, attaque, défense, dans le désert. On voyait tous les compétences qui peuvent débloquer, autant vous dire qu'il y en a énormément et qui sont généralement tous assez utiles. On a de la production, très bien, que le pétrole va couler à flot maintenant. Bon là vous voyez, il y a plein de choses qui ont été endommagées, c'est à cause des partisans. Donc la reconnaissance, c'est un atout indispensable, je trouve, pour que votre armée puisse vraiment faire le travail. Alors, pour ôter la marine, c'est fait. Navire capitaux, porte-avions,
Alors on va faire reportage pour avoir recherche accélérée pour les prochaines cases de porte-avions. Ici on va relancer la production de tanks moyens supplémentaires. Je sais que j'ai pas eu beaucoup d'industrie, que beaucoup ont sauté. Mais bon, on n'a pas le choix. Elle est en tungstène. Le Portugal a plein de radars de tungstène, on en profite. Voilà. Voilà, donc Garanta ils ouvrent un nouveau front, donc ça veut dire plus de troupes là-haut. Ou beau débarquement allié ici, j'avais pas remarqué. Garanta ça a occupé quelques troupes en plus, d'accord, les objectifs de guerre fabriqués contre les alliés. Donc la Norvège va rejoindre. Donc ces divisions là, si elles peuvent renforcer le Danemark, ils s'atteindraient plutôt bien ici. On va lancer un petit assaut ici, il a quasiment plus de troupes, donc on va en profiter. Donc mes troupes ici ont dû se replier pour... Voilà, on arrête. Non, ça sert à rien. Il gère mieux que moi les assauts, moi j'arrive à faire des petites percées, mais... Bah, j'ai perdu 6 divisions. J'ai perdu 6 divisions, ce qui est énorme, donc ça fait mal. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. on a parfois obligé de sacrifier des troupes pour gagner. D'accord, Xinjiang a rejoint le Comintern, donc a rejoint l'Union Soviétique. Bon bah c'est... Faut faire attention par contre au Siam qui va sûrement me déclarer la guerre aussi derrière. Au niveau des ressources, faut que je regarde quelque chose. Commerce, voilà, surplus, je peux en enlever deux. Voilà. Comme ça, j'aurai assez de... je peux normalement avoir assez de pétrole sans demander de l'aide à mes alliés. Grâce à mon infrastructure que j'ai construite, aux usines synthétiques en fait. Vont renforcer ma division là. Voilà. Donc ici généralement les sous-marins vous n'arriverez pas à les avoir. Donc là mes flottes vont avoir plus aucun ordre. Hein. Ils vont retourner à leur port d'attache. Ah bon, une bonne petite percée en Allemagne. Alors l'Allemagne a perdu pas mal de divisions. Bon, moi aussi pas mal. Enfin, pas mal d'hommes perdus. Bon, leur infrastructure était lourdement endommagée aux Allemands. Et là, on va rajouter encore des bombardiers stratégiques. Je vous rappelle qu'on en construit toujours plein. Et ces deux gars, maintenant, vont venir... La région en fait, le problème c'est qu'on a recapturé une partie des provinces, donc une bonne partie de l'industrie n'est pas morte. Donc ici, on va vraiment stratégique. Voilà, on continue nos recherches. On peut pas avancer là-dedans. Je regarde ce qui est intéressant. Les canons anti-aériens, quoi. Des destroyers en plus, non. Ah bah non. On va faire un...
Voilà. Donc là, la percée que j'ai réussi à faire va m'être très profitable maintenant. Bon, j'aurais pas réussi à prendre conne, mais c'est pas grave. Ok, ma réserve de char moyen. Tellement léger. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein. On se retrouvera pour une prochaine fois. Elle commence à se faire longue. Donc, l'attaque dans les Alpes italiennes a été un fiasco, hein, au niveau de l'Autriche. Cependant, on a réussi à percer l'Maginot, donc ça se passe plutôt bien, on va dire, globalement. Et en Italie, le reste des troupes italiennes en Afrique arrive à être repoussé par mes divisions. Donc je pense que la guerre est plutôt bien partie pour notre côté. Surtout que le Japon va servir à rien. Autant si le Japon aurait pris la Chine, je me serais inquiété, mais là, ça s'annonce plutôt bien. Donc je vous dis à une prochaine fois, ça porte bien, et à ciao tout le monde.